Ouais, ça va, et toi? Oui, ça va. Tu sais ce que j'ai entendu? À ce qui paraît, ils vont bientôt fermer notre collège parce Quoi? qu'il y a quelqu'un, il y a le corona, à ce qui paraît. Ouais, Sérieux? même moi j'étais choquée. Mais oui, je te jure, c'est vrai. Non, c'est pas Et à ce qui paraît, possible. il y a beaucoup de corona et tout. Sabina, imagine, ils font un deuxième confinement. Ça serait trop bien. Moi, franchement, je serais trop contente. T'imagines? Et où est-ce que tu as eu ces informations? Ça va sûrement finir avec une deuxième vague et on sera tous reconfinés. Sabina, j'ai une idée. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais juste promets-moi un truc, c'est de me soutenir dans mon idée, d'accord? Mais t'es bizarre toi, comment est-ce que tu veux que je te soutienne? Je sais même pas ce que tu vas me demander. Ça se trouve que tu vas me demander d'aller en Turquie toute seule et que je le dise pas à tes parents, je vais pas faire ça quand même. Mais non, tu penses toujours au mal. Pauvre plante. Oh non. Il y en a partout. Allô? J'ai changé d'avis. T'avais raison, faut qu'on découvre. Faut qu'on découvre ce qui va se passer. Il m'arrive des trucs trop bizarres là, je te jure, c'est trop bizarre. Je vois des microbes partout, je vois des bactéries. Je te jure, c'est trop bizarre, faut qu'on découvre vraiment comment ça va se finir. Je sais pas pourquoi, mais là, il y en a vraiment partout. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Viens, t'avais raison. Moi, j'ai changé d'avis. Quoi? J'ai plus envie. Pourquoi t'as plus envie? J'ai plus envie de l'invoquer en fait. Mais si, si, allez, si, t'avais salut. Raison, viens, on l'invoque, allez. Faut que je me souvienne comment on fait pour l'invoquer déjà. Attends, mais comment on faisait dans la classe? La prof, elle nous avait dit quoi? On devait mettre un sac poubelle? Après, on croisait les doigts et on disait grand-mère et je viens. Voilà, c'est ça! Faut que je fasse ça. Vite!
Grand-mère Echli, viens. Grand-mère Echli, viens. Viens. Grand-mère Echli, viens. Grand-mère Echli, t'es pas là? Grand-mère Echli, t'es pas venue? C'est pas possible, ça sert à rien, personne peut l'invoquer, y a que la prof Morta Cercueil qui peut réussir à faire ça. Nous on peut pas, on n'a pas assez d'expérience, ça sert à rien. Bah, c'est bien toi qui m'avais invoqué, non? Oui, je t'ai invoqué. Bah alors, pourquoi t'as peur de moi? Je ne mords pas. Vous êtes effrayante. Quand t'auras 64 ans, on verra comment tu seras. Ah bah, merci pour l'information. Je savais pas que j'allais vivre 104 ans. Grand-mère Echli, ma question ça serait, vous savez ce que c'est le coronavirus? Mais bien sûr que je sais ce que c'est, voyons. Je sais très bien ce que c'est même. Le virus est apparu pour apprendre aux gens de respecter la nature, Sabina. Pour que les gens se rapprochent, pour qu'ils commencent à prendre soin d'eux et de leur santé, Sabina. Ah bon? Bon, dis-moi ce que tu veux. J'ai aussi des autres personnes à rencontrer, dépêche-toi. J'ai pas le temps à perdre, moi. Et est-ce que tu peux me dire, est-ce que moi, je vais l'avoir ou pas? Le Covid-19? Vous allez tous y passer. C'est pas possible! C'est pas vrai! T'es une grosse menteuse! Je sais même pas ce que tu fais dans ma chambre! Pars! C'est pas vrai ce que tu racontes! On va pas Sabina y tous y passer! Méchante. N'importe quoi! Pars de ma chambre tout de suite! Sabina, tu es méchante! Sabina, tu es méchante! Grand-mère Echli, pars! Pars, pars, pars! Grand-mère Echli, pars! Allez, ouste de cette maison. Allez, ouste de cette maison. Allez, ouste. Tu m'énerves, Sabina. Pars d'ici. Tu m'énerves, Sabina. Mon ami, si tu aimes la vidéo, mets un pouce bleu et...